Le cercle des amis du Cameroun a encore déposé ses valises dans la région de l'Ouest. L'association de la première dame, Madame Chantal Biya, vient de ressusciter le groupe scolaire de Dielengsen créé en 1971 au cours d'une cérémonie présidée par Célestine Kétia Cortez, représentante personnelle de la première dame, Madame Chantal Biya, accompagnée de plusieurs membres du gouvernement, du gouverneur de la région de l'Ouest et l'immense cortège des femmes du CERAP. Le CERAP a inscrit la réhabilitation du complexe scolaire dans son plan d'action de l'exercice 2024. Nous voici aujourd'hui réunis ici pour procéder à sa retrocession. Retrocession solennelle du complexe scolaire rénové et construit par le CERAP. La rétrocession aux écoles publiques primaires et maternelles de Dielengsen, des salles de classe construites, réhabilitées et équipées par le Cercle des Amis du Cameroun. Cette cérémonie qui a connu une mobilisation exceptionnelle a été élargie à la remise des dons et aux appuis multiformes aux multiples organisations des jeunes et femmes des différents arrondissements du département de la MIFI. Je suis très ému, je suis très content parce que c'est l'espoir, quelque chose dont je n'ai jamais reçu depuis ma vie. Donc du coup aujourd'hui on m'a surpris avec ce don, c'est pas le travail effectué en fait que l'administration a constaté en fait, et aujourd'hui j'ai été gracié, donc je suis tellement content. Et alors je voudrais déjà remercier la première dame vraiment et remercier le membre du CERAC. À travers cette initiative, le CERAC booste la carte scolaire du département de la MIFI. Nous sommes dans la joie, une gaieté sans pareil. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, pour nous, c'est comme un miracle. Vous pouvez observer ce bâtiment flambant neuf, cet immeuble R+1. Vous pouvez observer des autres côtés les salles vraiment réhabilitées à zéro, la peinture de la toiture jusqu'à la peinture et tout ce que ça contient. Regardez notre cour, la boue n'existera plus ici à Dielengsen. Nous et en face de la route là, vous voyez un goudron. Vraiment, notre joie est immense. Nous disons grandement merci à maman Chantal Biya. Encourage l'insertion socio-professionnelle, contribue à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale en offrant des dons et appuis multiformes aux femmes et jeunes, tous les arrondissements de ce département.